Salut les amis, bienvenue sur Fry HD, la chaîne où on parle moto, Harley Davidson et plus particulièrement du Softail Standard puisque c'est ma moto. Et je voulais commencer cette vidéo par ça, je vous montre là juste en dessous. Là. Voilà, je voulais revenir sur l'évolution de mes abonnés. Aujourd'hui on a 1994 abonnés, ce qui veut dire que quand cette vidéo sortira, on aura dépassé les 2000 abonnés. Et je voulais vous remercier infiniment pour ça. Donc la chaîne c'est plus de 80 vidéos, on est à 82 vidéos exactement, vidéos et shorts. C'est beaucoup de boulot, mais vu l'évolution de la chaîne, bah, ça vaut le coup. Et puis on va essayer de continuer dans ce sens-là évidemment. Et à venir, l'essai d'une Electra Glide spécial police, terrible. Et puis le montage de mes clignotants et l'installation des valises également sur la moto. Et aujourd'hui, pour fêter donc ces 2000 abonnés, je voulais vous proposer une vidéo que j'ai déjà proposée deux fois. Aujourd'hui, c'est les motos de mes abonnés. Troisième. Alors tout d'abord, merci à toutes et tous de m'avoir envoyé vos photos. Sinon, j'en reçois tellement que j'aurai beaucoup de difficultés à toutes les diffuser. Donc, je fais mon maximum effectivement pour le faire, mais ça va être de plus en plus compliqué parce que j'en reçois vraiment beaucoup. Donc je m'excuse d'avance pour tous ceux qui ne verraient pas leur moto aujourd'hui. Alors on va commencer par la moto de Virginie. Voilà, donc la moto de Virginie que vous connaissez bien, c'est un Softail Standard. Et je pense que c'est un 2021, puisqu'on voit ici la sonde qui dépasse là derrière, je crois que c'est la sonde lambda. Sonde que moi je n'ai pas sur le mien, puisque mon moteur est un Euro 4, et qu'à partir de 2021 on est passé à la norme Euro 5. Donc on a une sonde supplémentaire sur le pot d'échappement. Il n'y a pas de modification particulière sur sa moto, si ce n'est le CC bar et le porte-bagages. Et puis le guidon qui a été légèrement incliné vers l'arrière, pour le confort certainement de sa conductrice. Donc merci Virginie pour l'envoi de ta photo. Tu me l'as envoyée il y a très longtemps et je ne peux la poster qu'aujourd'hui. Allez, on passe à la suivante. Donc la moto de Seb. Donc c'est la grande sœur de notre Softail Standard. C'est un Street Bob. Je pense que c'est un 2021 vu la livrée, puisqu'on a ce superbe logo orange Harley Davidson qui est vraiment magnifique, que je trouve superbe. Donc la moto est complètement noire et on a juste quelques petites touches d'orange avec les clignotants, les déflecteurs ici à l'avant et à l'arrière, et puis le réservoir. Et puis cette moto, elle a été modifiée avec une selle biplace. Et puis on a un gros CC bar avec porte-bagages et également le pouf sur le CC bar pour un passager. Je pense que c'est une moto qui roule souvent avec passagers, celle-ci. Et puis, bah, deux petites sacoches. Une sacoche en cuir sur le côté, que j'aime bien. Et puis, la petite sacoche tube à l'avant. D'ailleurs, moi, je l'ai fait. J'avais installé donc une sacoche ronde comme ça, et j'ai eu des rayures sur l'avant de mon phare. Donc, n'hésitez pas à me donner des astuces, Seb, si tu as une astuce pour pas rayer le phare. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as mis une matière entre les deux pour éviter les rayures qu'on peut avoir avec un bagage comme ça sur le phare? Ou sinon, si vous avez d'autres astuces, bah, n'hésitez pas à partager. Et on a également un crash bar. Et ça, c'est un crash bar qui est prévu pour recevoir éventuellement des commande avancée. Allez, on passe à la moto suivante. Alors, la moto de Nicolas. C'est une moto qui a été pas mal modifiée. Je pense que c'est un Iron. Et je pense que c'est un 1200 Iron, mais sans aucune certitude. Donc Nico, n'hésite pas à nous dire en commentaire ce que c'est exactement. C'est un Sportster, ça c'est sûr. On a des jantes à bâton un petit peu à la manière des Iron. Le réservoir a été rehaussé pour moi. Je pense que c'est le guidon d'origine, mais sans certitude. On a un crash bar, moustache, mais je me trompe peut-être, c'est peut-être un 883. Bah, n'hésitez pas, dites-moi vous ce que vous en pensez, et puis on aura certainement la réponse de Nicolas également qui nous confirmera tout ça. J'aime bien le look que ça lui fait, là, le réservoir rehaussé, je trouve ça pas mal, ça dégage le moteur. Et puis on voit également que c'est pas les pots d'origine, et qu'on a un filtre à air au débit, donc je pense qu'elle a un stage, hein, cette moto. Au moins. Voilà, comme c'est la seule photo, eh bien on va passer à la suivante. Je vais vous présenter donc la moto, enfin une des motos de Franck. Ici on le voit en plein effort avec son lowrider, voilà. Fin d'après-midi après pique-nique motard, la bière qui doit être finie j'imagine. Et puis la moto sous un arbre pour être à l'ombre, c'est vraiment là, ça fait rêver un petit peu. Cette photo-là que je vais vous montrer de Franck, on le voit sur une autre moto. Et alors là, c'est un ovni. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un moteur twin cam, me semblait-il. Non, je dis des bêtises. C'est un Evo. En lien en haut de la vidéo, là, je vous mets également le lien de ma vidéo sur comment reconnaître les différents moteurs Harley Davidson. Et ici, c'est un moteur Sportster. On est sur un cadre rigide, hardtail,
La fourche avant, j'ai l'impression qu'elle a été récupérée peut-être d'un fat bob. Ouais, peut-être. Je ne sais pas exactement. On a un gros guidon mini-app qui fait au moins 10, voire 12. Je pense qu'il fait 12 celui-là. On voit un compteur minimaliste. La roue à l'avant est très grosse. La roue à l'arrière est encore plus grosse, avec un garde-boue qui est très large. On a un 6-6 bar tout droit. L'épaule échappement forme pipe. Bon, bah clairement, cette moto, tout a été refait dessus. Il n'y a rien d'origine. Voilà, le petit réservoir peanut également, de 8 litres, à la manière d'un chopper. J'adore le look de cette moto. Là, la couleur a été un peu retravaillée, mais je pense qu'elle est bleu-gris, certainement, cette moto-là. Elle doit être superbe, elle a été refaite entièrement, ça c'est sûr aussi. Voilà, Franck, n'hésite pas à nous laisser des informations pour nous dire ce que tu as fait sur cette moto, qui est vraiment superbe, quoi. Pareil, Franck, désolé pour la parution un peu tardive. Je sais que tu m'as envoyé la photo il y a très longtemps, donc je ne peux l'apparaître qu'aujourd'hui, et je te remercie de l'avoir envoyé, tu vois. Tout vient à point à qui c'est attendre, quoi. Allez, on passe à la suivante. Alors, on continue avec la moto de Jean-Paul. Je la trouve vraiment bien arrangée, cette moto. Donc, c'est un Sport Glide de couleur bordeaux. J'ai pas la mime, mais elle doit être assez récente, puisque on est sur un M8 107. Là, on reconnaît pas forcément tout de suite le Sport Glide, puisque la bulle a été retirée. Sachant que la bulle du Sport Glide peut être retirée très rapidement. Il y a deux petits clips, là, qu'on tire dessus, et puis ça s'enlève. Comme les valises, hein, d'ailleurs. Les valises se retirent en 2 secondes. Hein. On ouvre les valises, il y a un petit cran à l'intérieur, clac, on le fait sauter. C'est vraiment... Ça, c'est hyper pratique, c'est bien foncé. Et donc là, les valises sont dessus. On a la ligne d'échappement d'origine. Tout est d'origine, a priori, sur la moto. Sauf la selle, c'est une Saddleman. Un peu club style, hein, je trouve, mais ça lui va très bien. Et puis le mélange de noir et de chrome, où on a une dominance de noir quand même, mais avec des touches de chrome, là, sur les têtes fourches, le guidon... Le compteur, ici la boîte de vitesse, le rappel noir et chrome sur les jantes également. Les jantes du Sport Glide, je les trouve superbes. Les commandes avancées, franchement, moi c'est une moto que je trouve très belle, mais je m'en cache pas, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Ouais, c'est une très très belle moto, j'adore. Alors, on continue avec la suivante. C'est la moto de Phil. Et il s'agit, roulement de tambour, d'un Fat Bob de 2008. Donc avec un moteur Twin Cam. Le gros changement par rapport au modèle d'origine sur cette moto, en tout cas esthétique, c'est l'avant de la moto, puisque théoriquement sur cette moto, on a 2 phares côte à côte. C'est ce qui lui donnait ce look vraiment atypique, ce que beaucoup n'aimaient pas et donc ce que beaucoup ont changé pour mettre un seul phare. Là, c'est ce qui a été fait sur cette moto. Et on retrouve donc les éléments du Fat Bob avec les 2 grosses roues, une grosse roue à l'avant, une grosse roue à l'arrière. Et ici, on a des jambes pleines également, à l'image de son grand frère, le Fat Boy. Il y a pas mal de choses qui ont été modifiées également sur cette moto, je pense. Hein. La ligne d'échappement, le filtre à air, donc j'imagine qu'il y a un stage dessus. Les clignotants également. On a des petits clignotants à l'avant comme à l'arrière. J'adore ces clignotants. Donc moi, à l'arrière, ça va venir. Hein. D'ailleurs, je vais changer mes clignotants arrière sans tarder et je vais vous partager ça. C'est en cours, c'est en cours. Allez, j'ai même les petites cosses parce que je refais tous mes câblages. Et donc, c'est une grosse aventure. Je croise les doigts pour que ça fonctionne correctement, puis j'ai hâte de vous montrer tout ça. Ici, on a un truc qui est sympa aussi, là, c'est que la petite sacoche boîte à outils, elle a été positionnée sur le bas du cadre, là, juste derrière la roue avant. Alors, j'imagine que par temps de pluie, ça doit être compliqué de la maintenir en bon état, hein, cette petite sacoche. Je trouve que ça lui donne un style assez sympa, quand même, ça. Et le fameux cadre Dyna, qui est, d'après beaucoup de gens, le meilleur cadre qui ait jamais construit Harley Davidson sur ses motos. Très, très belle moto. Et on voit qu'elle est très, très bien entretenue également. D'ailleurs, je viens de me rendre compte du truc, mes clignotants, c'est exactement les mêmes. Par contre, moi, je les ai pris en couleur aluminium brossé, en fait. Ils sont pas noirs, pour rappeler un petit peu l'esthétique des clignotants d'origine sur mon standard. Mais c'est les mêmes, c'est exactement cela. Donc je vous en dirai un peu plus sur ces clignotants quand la vidéo arrivera. Allez, on passe à la dernière moto. Et c'est la moto de Roger. Voilà, un grand classique chez Harley Davidson, Lowrider S. Et là, c'est, je vous l'ai déjà dit, mais c'est une de mes motos préférées chez Harley Davidson, le Lowrider S. Ici, on a le petit saut de vent, le réservoir avec le logo Harley Davidson
caractéristique classique qui date des premières années de Harley Davidson. La fourche avec le double disque à l'avant. Roger m'a mis quelques photos pour montrer les détails de sa moto, et notamment donc la suspension Ohlins avec un réglage de précharge, les pots d'échappement avec une sortie 2 en 1. On a une petite sacoche en cuir à l'arrière. Bon, c'est un cadre Softail, donc à l'image des Hardtail, on a cette architecture en triangle, on va dire, mais sur les Softail, on a une suspension sous la selle. On a un gros filtre à air Bitsucker qui est énorme, avec prise d'air partout, sur le côté, devant, enfin tout autour. Stage 4, préparée SNS, elle fait 128 cubic inch. 128 cubic inch. Une carte Diag 4, à l'avant et à l'arrière, donc suspension Ohlins. Une 10% abus, je veux bien le croire, parce que déjà, le Lowrider S, c'est une moto qui est prévue pour envoyer du steak. Mais alors là, préparée comme elle l'est là, ça doit être quelque chose, hein, c'est sûr. Super moto, voilà. Je voulais finir effectivement par cette moto. Et ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine, et puis on se retrouve bientôt. Allez, ciao !